présentement dans la ruelle située entre les rues Roy, de Mentana, Saint-André et Bousquet. Cette ruelle-ci fait partie de la liste des 4 nouvelles ruelles vertes qui vont être construites dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal cet été. Nous en sommes seulement au début des travaux, mais ces projets de ruelles vertes-là représentent bien plus que ce que vous pouvez imaginer. Le projet de ruelle verte, c'est une ruelle dont l'aménagement a été repensé de façon participative dans le but de verdir et d'augmenter la qualité de vie des citoyens. En ville, les ruelles, c'est des espaces qui sont convoités par les citoyens. Puis le projet de ruelle verte, il vient verdir ces espaces-là en créant des milieux de vie qui sont plus agréables tout en apportant un peu de nature en ville. Premièrement, pour qu'un projet se réalise, il faut que les citoyens fassent tout d'abord connaître leur idée et parler avec le voisinage de leur intention de verdir la ruelle. Ensuite de ça, ils doivent créer un comité de citoyens qui vont venir assurer la communication et la coordination entre l'arrondissement et les citoyens de la ruelle. Ce qui est intéressant avec la collaboration avec la Ville de Montréal, c'est que c'est vraiment simple à accomplir des projets de ruelles vertes. Ça peut paraître gros d'emblée, mais en fait, la Ville est vraiment, vraiment bien outillée pour accompagner les citoyens. C'est quelques étapes, mais au final, c'est pas très compliqué. Il faut se mobiliser puis fournir les documents requis. Bien, un coup que le projet est déposé, on attend de savoir si on a été accepté. Puis, un coup qu'on a l'acceptation, nous, on était vraiment contents là, d'avoir été sélectionnés. Puis après ça, bien, bon, là, il y a eu l'excavation, mettre de la bonne terre, jusqu'à la plantation. Une fois que tout est beau et que tout est fait, les citoyens, il faut qu'ils viennent habiter la ruelle. Donc, ils peuvent aller libre cours à leur imagination pour venir habiter la ruelle. Nous sommes déjà à la fin du mois de juin et les travaux dans nos 4 ruelles vertes vont bon train. Après avoir scié l'asphalte pour laisser place à la végétation, nos équipes ont déjà commencé à aménager les fosses de plantation. Ces 4 nouveaux projets de ruelles vertes-là sont peut-être nouveaux et récents, mais les ruelles vertes, ça date pas d'hier. Les ruelles, c'est avant les années 70, c'était des espaces qui étaient plutôt laissés à l'abandon, qui étaient utilisés plus pour du transport de marchandises, approvisionnés là, pour le chauffage. Puis il y a eu là, justement, c'est ça, une campagne qui s'appelait Place au soleil, qui était justement pour réinvestir ces espaces-là. Depuis 2014, c'est l'arrondissement qui porte les projets à l'interne. Puis une autre des particularités, c'est l'ampleur des projets à l'arrondissement. On parle habituellement entre 100-150 mètres carrés d'excavation, de déminéralisation puis de verdissement. Les défis par rapport à l'élaboration, la conception des projets, bien, c'est on les fait en collaboration ou avec les besoins, les demandes des citoyens. Fait qu'on doit concilier avec ces demandes-là, ces besoins-là, puis aussi de voir qu'est-ce qui est possible aussi sur le terrain. On travaille aussi dans un contexte qui est assez restreint. Souvent, les ruelles sont assez étroites. On doit concilier aussi avec certaines ruelles où il y a des stationnements à l'arrière. Fait que c'est de permettre la circulation, s'assurer que la circulation soit toujours possible. Une des particularités de ces projets-là, ça nous demande de nous adapter continuellement, tout en essayant là, le plus possible de répondre à l'intention de départ puis aux besoins que les citoyens ont exprimés. Alors que nous approchons de la fin des travaux, je me suis dit que ce serait une bonne idée de prendre une petite pause pour vous montrer la ruelle située derrière le musée des Fusiliers Mont-Royal qui a été réalisée au début des années 2000. Son impact sur son environnement a été immédiat. Les ruelles vertes permettent de réduire les îlots de chaleur puisque la végétation va réduire le nombre de rayons solaires qui est absorbé par les matériaux inertes comme l'asphalte ou le béton. Ensuite, c'est bien connu, les végétaux ils réduisent la quantité de CO2 dans l'atmosphère, mais aussi ils vont retenir certains polluants et particules fines qui vont venir améliorer la qualité de l'air qu'on respire. Un autre bienfait, c'est que les zones qui sont végétalisées dans les ruelles vont venir capter l'eau de ruissellement, la filtrer, puis réduire aussi le débit de percolation dans le sol. On nous a expliqué qu'on pouvait réduire jusqu'à 5 degrés la température ambiante en verdissant. Donc, évidemment, moi, je trouve que c'est avantageux pour tout le monde. Et on a une population très vieillissante aussi dans la ruelle. Puis, ces gens-là vont pouvoir bénéficier de cet environnement-là qui est calme, qui est frais, qui va être beau.
Un des aspects qui était vraiment intéressant, c'est que c'était démontré que les ruelles vertes rendaient l'espace plus sécuritaire pour les familles puis les citoyens. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était super intéressant pour nous parce que ça nous tient à cœur. On veut que les gens se sentent bien, en sécurité, soient entourés de beauté. Un autre impact non négligeable des ruelles vertes, c'est que ça va venir améliorer la qualité de vie des citoyens. C'est un aspect qui a été étudié, mais la proximité puis la qualité des espaces verts en ville vient améliorer le bien-être puis réduire aussi le niveau de stress, d'anxiété et de dépression. Je pense que ce qu'on voit, c'est que ça vient créer un milieu de vie où les gens peuvent se rassembler, se sentent plus en sécurité aussi, se sentent plus légitimes d'investir cet espace-là. Puis c'est ça aussi l'essence des projets, c'est de redonner cet espace-là aux gens qui vont participer à améliorer notre quotidien. Souvent, les gens, ils se présentent aux rencontres des formations, aux journées de plantation, ils rencontrent leurs voisins ou parlent à leurs voisins pour la première fois. Et on se retrouve autour d'un projet commun, on crée un espace qui nous appartient, qui va nous ressembler d'une certaine manière. Plus les gens se parlent, plus on a des idées, plus on parle de... on peut partir des nouveaux projets. Ça rend les gens heureux aussi. On le voit comme ils marchent, c'est beau, ils sont contents, ils vont revenir. Fait que je pense que ça amène, c'est ça, un peu plus de bonheur dans le quotidien des gens. Aujourd'hui, on a terminé la plantation, puis je pense que dans quelques années, j'espère que ça va avoir vraiment pris de l'ampleur, que la canopée va être vraiment plus importante. Puis j'espère qu'il va y avoir des espaces où les gens vont s'arrêter, vont s'asseoir, des bancs, que les gens vont pouvoir profiter un peu de cette ruelle-là, là, qui y vivent, en fait. Et voilà, nos quatre nouvelles ruelles vertes de cet été ont magnifiquement été aménagées et réalisées. Elles sont prêtes maintenant à accueillir les visiteurs qui sont en quête d'un environnement vert qui va aider à réduire notre empreinte écologique. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'été et de beaux moments de vie urbaine dans nos ruelles vertes.